Quand la famille décide que ça soit celui-là, si les singes eux-mêmes ne veulent pas, s'ils ne vous acceptent pas, tout ce que vous allez faire avec eux, ça ne peut pas aller. Pas de lumière, faut pas courir, y a pas de lumière. C'est fini, y a plus de lumière. C'est ici que j'ai enterré deux singes, un depuis un an et le dernier date de deux semaines. La forêt s'étend sur 4 hectares et ils sont par groupe. À chaque mâle, un groupe. Si vous voyez que quand on les appelle, ils ne peuvent pas venir ensemble, parce que quand il y a deux mâles qui se croisent, là, c'est une bagarre. Et cette bagarre-là, il n'y a pas quelqu'un qui peut la séparer. Il n'y a pas quelqu'un. Donc, ils sont tellement plusieurs. Ils ne sont pas les seuls. Ceux-là, ça, on les appelle les mondes de Campbell. Et après eux, il y a les pittoristes qui ont le nez blanc, là. Ils sont aussi là. Mais quand les mondes sont là, les pittoristes ne peuvent pas s'approcher. Mais en rêve, en parlant aux vieux rabbins, ils ont dit que même de génération en génération, si vous ne mangez pas notre chair, si vous ne nous faites pas de mal, nous resterons avec vous. Et moi qui suis chef de village aujourd'hui, j'ai 67 ans. Ces singes existaient, moi, bien ma naissance. C'est comme ça, ils sont avec nous. Ce sont nos parents. Quand ils meurent, on les enterre. On paye un morceau de percale. Comme on ne peut pas faire les funérailles, comme c'est les êtres vivants, nous les enterrons à notre manière. Donc c'est comme ça, nous sommes en parfaite harmonie avec eux. Ils ne mangent que 3 fois par jour. On les nourrit le matin, à midi et le soir. La forêt même, il faut qu'elle soit clôturée. Il faut qu'elle soit clôturée parce que tu es assis ici, tu ne vois pas par derrière. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'endroit qui peuvent entrer par là-bas. Donc nous voulons qu'elle soit clôturée. C'est des considérations qu'il faut prendre en compte et ne pas les réfuter parce que ça définit même parfois une bonne partie en fait du système social et du système culturel de la région. Donc il y a beaucoup de choses qui sont greffées à cela. Et pour nous, c'est quelque chose d'original parce que c'est un outil local qui permet aussi de conserver ces genres d'espèces. Donc le fait d'établir des liens ancestraux, des liens culturels avec ces genres d'espèces, est un moyen très efficace pour nous de préserver un certain nombre d'espèces de primates en Côte d'Ivoire. Donc nous essayons de faire comprendre un peu l'importance du rôle que les singes jouent dans l'équilibre des écosystèmes, en espérant que les populations qui sont majoritairement agriculteurs comprennent le rôle que jouent en fait les primates dans le maintien des systèmes forestiers. Et ce système forestier, bien sûr, qui donne en fait des services écosystémiques
telles que la pluie, tout ça, qui est vraiment crucial pour les cultures de rente comme le cacao, le café, etc. Le Centre Suisse a permis également, en collaboration avec l'Université Félix Houphouët-Boigny et d'autres universités, de former pas mal de primatologues ivoiriens. Donc on peut dénombrer pas moins d'une trentaine de primatologues ivoiriens aujourd'hui. Et c'est cette expérience que nous voulons partager avec le reste de l'Afrique. Nous voulons transmettre notre enthousiasme, nous voulons transmettre notre savoir-faire.